Bonjour, moi c'est Francis et aujourd'hui on va travailler un produit d'exception. Roulement de tambour, je vais vous présenter le porc fermier d'Auvergne. Ouais, mais qu'est-ce qu'il a de beau ce cochon? Eh bien, c'est ni plus ni moins qu'une star, régulièrement médaillée au concours général agricole. Chaque cochon dispose de 83 mètres carrés d'espace de vie. En plein air, un peu de sérieux quand même, c'est un travail difficile qu'il faut respecter. Cette viande label rouge bénéficie d'une IGP née, élevée et abattue en Auvergne. Le porc fermier d'Auvergne est exclusivement proposé en boucherie, charcuterie artisanale et restauration. Pour savoir où vous approvisionner, cliquez sur le site de la filière. Et enfin, sachez que cette filière est économiquement responsable. En clair, les éleveurs sont payés sur le juste coût de leur production et non sur un marché au moins 10 ans. Résultat, un agriculteur valeureux, un cochon radieux, un cuisinier chanceux et un consommateur heureux. Revenons à nos moutons, à nos cochons. La recette du jour est un tonkatsu de porc fermier d'Auvergne, évidemment. C'est une recette hyper facile et super goûteuse comme d'habitude. Et c'est quoi le tonkatsu là? Le tonkatsu est une recette japonaise de porc pané et frit, généralement nappé d'une sauce appelée la sauce tonkatsu. Avec un bon produit, on peut cuisiner simplement. Regardez-moi cette viande, regardez-moi cette beauté, cette couleur. On a choisi une longe de porc, c'est un morceau peu onéreux, mais tout est bon dans le cochon. Pour cette recette, vous allez avoir besoin de 30 minutes de préparation et 15 minutes de cuisson. De la longe de porc d'Auvergne, de la chapelure panko, c'est une chapelure japonaise qui est moins fine, moins broyée, plus croustillante et que vous pouvez remplacer par de la chapelure traditionnelle. Deux œufs, de la farine, de la ciboulette et de l'huile d'arachide pour la friture. On va aussi faire la fameuse sauce avec un oignon, deux cuillères à soupe de sauce Worcestershire, une cuillère à soupe de sauce d'huître, deux cuillères à soupe de ketchup, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de moutarde et du sel. On va commencer par la sauce. Dans une casserole avec un petit peu d'huile, on rajoute nos oignons qu'on a ciselés. Et tranquillement, on va laisser suer ces petits oignons. Voilà, nos oignons sont fondus. On va pouvoir rajouter la sauce Worcestershire, le nom imprononçable. On rajoute la sauce d'huître, la moutarde, le sucre et le ketchup. On mélange et on va attendre d'obtenir une consistance un peu sirupeuse avant de la laisser refroidir. Voilà, notre sauce est bien nappante, bien sirupeuse. On va pouvoir la débarrasser et la laisser refroidir pour l'utilisation et le dressage. Bien les amis, on va s'occuper maintenant de notre porc et de notre viande. On va la découper en jolis pavés de 2-3 cm pour avoir quelque chose de généreux, avoir du goût et profiter de notre beau porc fermier d'Auvergne. On entaille les bords. Ça évite la rétractation pendant la cuisson. On sale. Recto. Verso. Et avec le dos de la lame, on va venir tapoter et battre la viande pour l'attendrir, lui donner un petit peu plus d'air. Et maintenant, place à la panure. On commence par la farine. Bien évidemment, on tapote pour enlever l'excédent, puis l'œuf battu et salé. Et on termine par notre chapelure panko. Voilà, tout est prêt, on est parti pour le grand plongeon. Vous n'avez pas de thermomètre et vous souhaitez atteindre la température idéale pour vos fritures? Pas de panique, vous avez certainement un cure-dent. Plongez ce cure-dent dans votre friture, dès que des petites bulles s'échappent de la pointe, la température est idéale. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez plus qu'à retenter votre chance. Le bon conseil du chef Francis, ne jetez plus vos vieux cure-dents. Bon, bah, on va essayer le truc du cure-dent. Ah ouais, ça marche. Je vais pouvoir tremper
immerger mes morceaux de porc dans la friture. On va laisser cuire. Dès que les grosses bulles vont disparaître, vous pouvez retirer et ce sera prêt. Voilà, on a débarrassé notre porc fermier d'Auvergne qui a bien frit, il a pris une belle coloration. On l'a bien évidemment égoutté sur un papier absorbant et maintenant on le finit de le découper. Regardez si c'est pas merveilleux, il est croustillant, on a qu'une envie, c'est de se jeter dessus. Hein. Mais bon, voilà, petite sauce qu'on a fait tout à l'heure, notre sauce tonkatsu. Ça, c'est de la gourmandise à l'état pur. C'est juste pour venir relever, donner un peu d'acidité, donner un petit peu de punch un petit peu dans les papilles, de tout éclater en bouche et de se faire plaisir de se retrouver en voyage pour la couleur, pour le goût, pour le côté un petit peu fantasque, un petit peu de ciboulette. Et voilà, c'est prêt les garçons. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures et à la découverte des fabuleux produits de la région Rhône-Alpes. Et bonne dégustation.